Congolais panda, Azuli kanisi ya malamu puna kosepelisa Banambuka Kongo Kongo lipanda Asali libango Kongo lipanda Peninga Puna kuyeba historia Kongo Landa Kongo lipanda Salut trop chers, on est à Poto, à Mbola, à Paris. Bonjour à tout le monde, parce que la flore ma kinis kan nef sa rabino. Pose émission na bino kin l'anglais, vraiment tous ali sorte officielle, il y a Louvre, il y a Félix Oisé quoi, les bambous de la sagesse. Hein, n'a dit que le vraiment Félix Oisé quoi, ça artiste musicien, puis a commis écrivain, a commis livre, il y a le l'autre ça vraiment qu'on a voyé ba ni dans la carte, c'est le ni Félix Oisé quoi, a bombé les biso hein avec vous. On va découvrir ensemble hein, koto yé ba ni ngo vraiment voyé à l'ambeli biso le koto meka, voyé ba parce que au monde artiste et musicien, Lélo, comme fait écrivain. Voilà, donc je vous encourage aussi à mettre à l'écrit ce que nous produisons, parce que c'est déjà de la littérature. Alors, comment faire sortir un livre? Voilà ce qu'a été ma démarche. Donc, j'ai écrit le livre pendant 10 mois. C'est pour dire que ce n'est pas facile et que je ne suis pas aussi brillant que ça. Parce que j'ai pris tellement de temps. 10 mois, c'est beaucoup. Alors que le professeur Yoka, bon, me traite 2 mois seulement, c'est fini. Non. C'est vrai que mon tour, il peut me mettre seulement 2 semaines. Parce qu'il y a tellement d'attiments. Alors moi, j'ai pris 10 mois pour produire le livre. Voilà ce que j'ai fait. C'est aussi la question qui se pose beaucoup de gens, comment faire sortir un livre. Bon, en France, c'est quoi? Vous écrivez les livres. À ce moment-là, on l'appelle d'abord manuscrit. Donc, commencez à la main. Bon, il y en a aujourd'hui qui écrivent directement sur l'ordinateur. Ça ne change pas, c'est toujours le manuscrit. J'ai donné ça à plusieurs éditions françaises. Ils ont lu. Et certaines éditions ont manifesté leur désir de produire les livres. Donc, ce qui m'a rendu les choses faciles. Donc, je suis devenu comme Neymar. Est en train de regarder où est le meilleur transfert. C'est-à-dire, quelle est la maison qui va m'offrir, qui me mettra plus à l'aise, faire un bon travail. Voilà. Et parmi ces maisons-là, j'ai choisi l'édition de Vercadre parce que c'est une branche de la maison Hachette. En fait, c'est la maison Hachette qui distribue les livres. C'est pourquoi, même hier, j'ai fait un Figaro dans le journal français. Donc, ils sont en train de faire de la promotion. Au moment où nous parlons, le livre est sorti partout dans le monde. Alors moi, en tant que Congolais, je me suis dit, je ne serai même pas en Europe parce qu'il faut que je sois là où il y a mon père, là où il y a, voilà, il y a des gens qui me connaissent, hein, il y a des collègues musiciens. Moi, je préférais être là pour qu'on fasse ce qu'on appelle le vernissage, c'est-à-dire quelque chose qui se fait pour lancer un ouvrage, par exemple. C'est cette cérémonie qu'on appelle le vernissage. Donc je donne le livre à ceux qui sont aux éditions et j'ai choisi la maison Bertrand. C'est ce que je vous conseille aussi de faire si jamais vous avez quelque chose qui traîne et que vous pensez que vous devez le produire vous-même. Non, sinon si il fallait le produire moi-même, peut-être que juste aujourd'hui ça serait encore un manuscrit parce que ce n'est pas facile. Si vous produisez vous-même votre livre, comment ça va arriver sur Amazon? Vous ne connaissez pas les rouages? Comment le livre va être distribué aux États-Unis et partout où on parle la langue française? Ça serait difficile. Alors, j'ai produit ce livre parce que vous avez déjà l'habitude de m'écouter en Lingala, et j'ai pu comprendre que mes propos pouvaient avoir une autre portée, mais il fallait les mettre dans les langues pour qu'ils soient aussi utilisés dans le monde. Par exemple, en français, quelques mois après, le livre va être traduit en anglais et en espagnol, pour l'instant. Quelqu'un m'a dit, non, il faut l'écrire aussi en chinois, parce qu'ils sont tellement trop nombreux, on va se faire beaucoup d'argent. Voilà, aujourd'hui, je voulais vous dire merci. Merci d'être venu pour cet ouvrage de Petit Bambou à la Sagesse. C'est vrai que je suis un musicien, mais dans cet exercice-là,
je ne voyais pas être un musicien. Parce que parfois, j'étais même étonné par ce que moi-même j'ai fait. Si on était à l'église, j'allais dire que j'ai été visité par l'Esprit Saint. Donc, il y a des propos, il y a parfois des passages, je me dis, mais est-ce que c'est moi qui ai écrit ça? Voilà, c'est pour. Parce que l'artiste doit s'étonner aussi lui-même. Parce que je ne pense pas que celui qui a conçu, par exemple, était lui-même, je pense qu'il a construit, je ne sais pas, un hangar. Non. Il sait que c'est extraordinaire ce qu'il a construit. Moi, je sais aussi que les livres, il est bien. Mais bon, la difficulté quand on parle de soi-même, c'est quoi? C'est un peu comme quelqu'un qui dit, ah, je vais vous montrer, ma femme, elle est très belle. Les gens, dans leur tête, se font bien l'idée d'une femme, tellement belle, que quand vous allez présenter la vôtre, vous ne la trouvez pas belle. Parce que leur imagination va certainement dépasser ce que vous avez dit. C'est pourquoi il ne faut jamais dire à quelqu'un que votre femme est belle. Il faut seulement la présenter. Parce que sinon, l'imagination dépasse toujours. Dépasse toujours. Beaucoup font cette erreur-là. Voilà, les livres, dans les livres, j'ai essayé. Et résoudre aussi quelques problèmes que nous avons en tant que Congolais. Bien que ça ne soit pas un livre politique, bien que ça ne soit pas un livre d'économie, bien que ça ne soit pas un livre sur la santé, mais je sais que notre pays ne pourra aller plus loin qu'avec des idées. Nous devons être les fanatiques de l'intelligence. Nous devons pouvoir, si vous me demandez qui je supporte le plus dans le monde, c'est l'intelligence, c'est être un fanatique. Pourquoi l'argent? Mais si vous n'avez pas l'argent et qu'il y a quelqu'un qui est malade dans la famille, vous avez une urgence, c'est là où vous comprendrez que ce n'est pas votre ami. Parce que la vie est toujours aussi courte. Et s'il n'y a pas l'argent, vous comprendrez que non, ça n'a jamais été votre ami. Donc c'est pourquoi il faut chercher dans la vie à avoir plus d'argent pour qu'il ne vous nuise pas. Quand vous avez besoin de quelque chose, vous pouvez le faire. Parce que quand on a un ennemi, il faut savoir le maîtriser. Et c'est pourquoi il y a des gens qui font des efforts pour bien maîtriser leur ennemi, l'argent. Alors pour la banque, je ne pense pas faire un blasphème parce qu'il y a des hommes de Dieu dans la salle. Je me dis, Dieu aurait dû nous choisir une autre condition. Vraiment, je n'explique pas toujours cette chose à moi. Ça prend des plus jeunes. Aujourd'hui, d'ailleurs ce soir, j'essaierai à. Deux, il n'est pas tout bon, il a perdu sa sœur, qui travaillait chez monsieur le docteur Jeff Jadigueta. Toujours la mort, la mort, la mort. Mais actuellement, la mort est devenue tellement moins chère, je pense même le pain est aujourd'hui plus cher que la mort. C'est-à-dire qu'on commence à mourir comme si on nous chassait de ce monde. Donc, tout le temps, on parle de la mort. J'ai un ami, Julie Guéna. De la maison de Ney, qui un jour m'a raconté qu'il lui arrive d'être dans 3 ou 4 degrés dans la journée. Rien que, enfin, il est à la mort parce que c'est la sortie des corps, après il faut qu'il aille. Et ces jours-là, c'était la première fois qu'on prend des paroles. On pouvait aussi dans la journée aller à 4 ou 5 degrés. Bon, pour lui, d'abord, c'est encouragé, donc, mais je pense que pour moi, tout seul, cet deuil déjà, parce que moi j'ai les larmes faciles. Donc, faire autant de tours de deuil, c'est pas facile pour moi. Donc, merci d'avoir fait les déplacements. Tout à l'heure, j'ai donné, parce que j'ai passé la nuit ici, j'ai passé la nuit ici, tout seul, ici, à l'hôtel, oui. C'est toujours la nuit tout seul. D'ailleurs, dans l'histoire, c'est ici que j'ai achevé les livres. Ici, parce que quand on avait arrivé aux dernières pages, j'avais tellement de boutures de courant, je me suis dit non, il faut que j'aille mieux là où il y aura moins. Donc, je suis venu, j'ai passé quelques jours ici pour finir les livres. Alors, on a déménagé tous les bureaux. Senghor, qui est le directeur donc, du groupe, il est très fort à ses yeux sur ordinateur, des choses comme ça. Et on a déménagé avec lui. Et les problèmes, la nuit, c'est lui qui dormait ici, seul, et nous, on rentrait à la maison. Nous, on rentrait à la maison.
Donc c'est cette maison, qui a permis que je termine les livres dans de bonnes conditions. Et je pense que cette maison va permettre aussi que les livres soient lancés dans de bonnes conditions. Vraiment, merci. Merci beaucoup. Mais bon, je voulais dire quelques mots à Mbala parce que ce n'est pas parce qu'on a écrit en français bon, qu'on a oublié Mbala. Non, et donc on a abordé ici dans vos pétés, mais on ne va pas qu'il faut tout dans notre invitation. Oui, il y a un souci à art, mais c'est vrai. Il y a un souci à art, parce que l'art est venu comme un mini. Il y a un peu de monde à y aller, on a pour la porte à la salle pour continuer. Ça, c'est important. Voilà, bon, peut-être quelques journalistes, parce que le souci, hein, on y va là. Comme si je m'avais ça, je suis dans la race. Oh, et comme une quête. Tout le monde va bien avec son beau. Votre attention, s'il vous plaît. On va vous appeler. On va vous appeler. Thank you.
Et je remercie, je fais aussi une addition à votre chef qui est rapide à répondre. Et surtout l'autre jour, j'étais avec Antoine Bonda. J'ai vu comment il écrivait, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu as cité, on a déjà voulu. Manuel Sarraté, parce que ce jour-là, 1000 grammes de SMS. Alors merci, nous avons tenu les lots. Ils ont essayé mon compte en live. Ils ont appelé, c'est mon compte à Vino. Livre et envoie. Ouais, ça a la possibilité, vous avez les autres, ça va. Mais, et vous avez la paix, dans la librairie Saint-Paul, la librairie Grand Lac, tout ça, dans la négociation, ici, quand on se souci, il y a un point de vente, où il peut y avoir une salle, la monique et non, ici, quand on peut avoir le texte à livrer, nous sommes prenants. Donc, tout le monde a passé, Nazali écrivait à Sika. Donc, on a eu une place de la librairie. Mais, car on va pas d'ailleurs. Hein?
À vos titres et qualités respectifs, tout protocole concerne. Je suis particulièrement un frère Félix Oisé. Trouve ici l'expression de mes vives félicitations et de mes des encouragements dans cette nouvelle forme d'expression qu'il a choisie. À vous tous ici réunis, mes sincères vœux de bonheur, de longévité et de plein succès pour cette année qui commence. Ainsi donc, au nom de l'exécutif provincial de Kinshasa et au mien propre, je baptise et souhaite longue vie et plein succès à cet essai intitulé Le petit bonbon de la chassesse. Et je vous souhaite bonne dégustation. Alors Félix, je souhaite longue vie à ce livre pour tous celui qui va lire, trouve son compte. Merci. Et je vais en profiter pour adresser un petit mot à Lingala aux artistes et musiciens. Bande Konangai, ma musicien, Boyebi et Loko Babengi, invitation. Sokin de Kwasui, invitation à Komi à Tinelio, c'est qu'il y a une marque de considération. Mais Kozala Penza et Sengote, que Osui, invitation à Moninga, Oyete, Peo Bengi était pour s'excuser et ça m'a l'amouté. Yango na senga qui na kouloutou l'outumba, na dernier entretien na nana baptiste, na loba qui kouloutou l'okola yo tonda sagesse. Meta ko lukabale ki mi balet ton mi sato, o sara moi commission pour la kobiye ba ko pesa katoli, na balet ki ba sara quand même na bonne manière, ndenge ya koufanda na mboka. Merci. Bien, à présent nous allons passer après. On prend d'abord les préoccupations du public. J'ai une question à poser à l'auteur et aussi une remarque à faire. La question est celle-ci. Pourquoi il écrit un livre de littérature? La remarque est celle-ci. Quand on parle de sagesse, on aborde un problème nécessairement philosophique. Alors, il faudra creuser dans le sens de la philosophie, le sens de la sagesse, parce qu'on est sage au nom de certaines valeurs. Je vous remercie. Ok. Une deuxième préoccupation. Prends juste 5. Merci. Merci. Moi, c'est Gilles Boulet-Mindekosou. Après le point de vue, le professeur Mingori. Est-ce que la bombe, on a fini ce voisin? Monsieur Bacal, s'il vous plaît. On peut le laisser d'abord. Un mot comme état écrivain. Vous en avez ça, la spectacle, qui tira pays des eaux d'état. Pour Nani Libacan. Merci. On peut passer le micro au professeur Emile Goué. Pépito, je vous prends après. Pépito, je vous prends. On répond toujours à la première question. Est-ce que Félix, la mort, c'est réduit? Ces cercles des grands esprits que nous apprend aujourd'hui l'Académie française parlent d'immortalité. Et je voudrais citer très rapidement avec lui. Mais rémémorant un peu les derniers propos sur une chaîne de télévision de François Mitterrand. Il était face à Bernard Pivot. Et les décors ces jours-là, sur la première chaîne, deuxième chaîne de télévision, c'était l'ombre et la lumière.
Et Pivot posa la question à Mitterrand en disant « Vous avez vécu toute votre vie comme un athée, c'est-à-dire des personnes qui ne croient pas véritablement à l'existence de Dieu. Et que maintenant vous êtes au soir de votre vie, quand vous allez mourir, et si vous vous retrouvez en face de lui, qu'est-ce que vous voudrez bien lui dire? Celui-là, c'est le bon Dieu. Qu'est-ce que vous aimeriez lui dire ?» Mitterrand l'a regardé du fond des yeux pour lui dire « Quand je le verrai, je lui dirai « Enfin !» Je sais. Ma question, je la retourne à celui dont la mort est l'ennemi. Je sais que sur ce genre de questions avec Félix, dans le Paris des années 80, où étudiants ensemble, résidant dans la même résidence universitaire, mon cher Félix, ton ennemi, il est invincible pour nous tous. Moi, si je le rencontre avant vous, je lui dirais, mais tiens, c'était donc toi. Vous voyez, une sorte de caméra cachée. On vous filme, et puis après, vous vous rendez compte que c'était une caméra cachée. La première chose, la réaction, ah, c'était vous qui étiez derrière moi. Mais ma question, je vous la retourne pour savoir, la petite deuxième question, savoir si vous êtes un jour... Les bonbons, les petits bonbons, chaque mot a son poids. Les petits bonbons de la sagesse. Pourquoi bonbon d'abord? Pourquoi petit? Et puis, je te remercie pour terminer. Parce qu'en fait, tu offres des bonbons à des personnes plutôt épris des choses amères. Merci beaucoup. Merci. Et si le modérateur peut me permettre, avec tout le respect, il y a Papa Lutumba qui me demandait le micro depuis longtemps. Est-ce que nous pouvons le donner avant de traverser? Merci, professeur. Ouais, c'est quoi?
Merci. Reste dans notre pays. Je voulais partager cette petite information avec tous les écrivains. La première information, c'est que l'importation des taxes sur pied de l'accord de Florence, et cet accord a été ratifié par la République démocratique du Congo, mon pays, et les vôtres depuis 1968. La deuxième information, c'est que lorsque vous lisez l'ordonnance loi du 13 février modifiant l'ordonnance loi numéro 10/01 du 20 août 2010 instituant la TVA en République démocratique du Congo, les livres sont défiscalisés également de la fiscalité intérieure. Donc ce sont ces informations que je voulais donner aux écrivains pour qu'on ne cesse plus à vous arnaquer par les fiscs. Nous avons fait ce travail de vulgarisation avec la ministre Thérèse Olenga. Je croyais que l'information était parvenue à tout le monde, mais quand j'ai vu l'écrivain revenir là-dessus, il m'a semblé politique de porter cette information à votre connaissance. Bravo l'écrivain, bravo les cinéastes, bravo les musiciens. Merci. Pour la défiscalisation des ouvrages. Écrivain, auteur, compositeur. Moi, je vais vous poser une question. Aujourd'hui, vous le savez, vous avez dit tout à l'heure que les Congolais aujourd'hui, quand vous avez rempli la salle, on ne peut rien nous cacher dans des livres. Est-ce que notre livre Les Bonbons, c'est la première, la dernière fois où vous allez vous donner encore autre chose à la suite? Votre carrière d'écrivain. Parce que tu te rappelles, quand tu as commencé à venir arriver à Kinshasa la première fois, on habitait ensemble, tu tentais ton expérience de devenir musicien, on était à deux. Et tu parlais, tu veux réussir. Je t'avais dit, essaye mon frère, ça va aller. Et tu es devenu grand, un artiste, tu as sorti des albums, tu es devenu grand. Et c'est pour cela, par cette expérience-là qu'on a fait nous deux, je me pose la question de savoir, est-ce que ça sera la même chose ou c'est juste, vous avez essayé. Merci, merci monsieur Claude. Madame Yoli. Pourquoi je remercie beaucoup monsieur Félix Azekwa pour ses livres. Malheureusement, la question a été épuisée. J'ai voulu demander si le petit moment de la sagesse est une expérience d'une seule fois ou bien vous comptez continuer dans la littérature. Merci. Nous allons... Donc, nous trouvons
Ma question était de savoir, très cher président, permettez-moi de vous titrer. D'abord, pourquoi écrire un livre? Déjà, est-ce une nouvelle vie que vous voulez embrasser? Ou c'est juste que vous aviez écrit et tant pas, vous vous limitez là au petit moment? D'avoir commencé ce qu'il avait promis et de l'avoir terminé et réalisé, aujourd'hui nous sommes au vernissage, c'est quelque chose d'assez important. Nous devons, vous, le journaliste, vous avez aussi la responsabilité d'essayer d'avoir des interviews avec nous pour essayer de faire des livres, un peu comme Jean-Louis Rémilleux avec Mobutu. La dignité pour l'Afrique, c'est une interview avec un homme politique sur ce qu'il pense au-delà de sa casquette de politicien, ce qu'il pense de la vie, d'un domaine dans lequel il a évolué. Moi, j'ai évolué dans le domaine de la culture. J'ai énormément de choses à dire. Je suis témoin de plusieurs événements qu'il faut qu'un jour j'ai l'occasion de raconter dans un livre. C'est ce que moi j'appelle la pensée par procuration. Chacun doit arriver à analyser crûment les choses par rapport à lui-même. Dieu n'a pas prêté la connaissance à certains pour qu'ils pensent à la place des autres. D'ailleurs, René Descartes dit, le bon sens est la chose la mieux partagée au monde. Donc, on doit arrêter de penser par procuration parce qu'un tel politicien a dit, nous devons parapluie à penser. Chacun doit analyser ce qui se passe et en donner sa façon de voir. Mais une façon de voir pas tronquée, pas erronée, mais une façon réfléchie de voir les choses. Et de jour au jour, comment vous... Bah, de toutes les façons, la surprise était à Ebisinga que vernissage malamo. Pour la cause à moi, j'ai un rapport un tout petit peu privilégié avec l'aîné, donc tout cela souvent. Et là, c'était bête parce que Webikande, moi, ma SMS, ma message, tout ça qui n'a beaucoup de tout ça est coupé. Donc, du coup, n'a vraiment bien battu Nyoso ou mité manabissu et l'ingami, n'a vraiment bien abandon. Donc, toi, on a bengi grand pour Nabissé. Bon, aîné, c'était pour te présenter mes voeux, tout ça. C'est là qu'il m'a dit, ah, ben tiens! J'en profite pour te dire et pour t'inviter, il faut à la, le 10, tout ça, au Ibika, vernissage à Libre. J'étais, waouh, déjà vernissage à Biwa, ouais, donc plein, c'est Salim Ifonaya. Donc voilà, ça m'a touché. On avait beaucoup de choses à faire, Lélo. Mais Tokatima Mounios, c'est parce qu'il nous fallait être là pour marquer notre solidarité. Quoi. Lexis Legal envisage la politique. Je ne crois pas que. Après Nganaluba, moi je ne me suis jamais caché ni sur mes ambitions ni sur ma démarche. J'ai une démarche au Babengaray artiste au hasard engagé, donc c'est-à-dire que je suis libre mentalement, je suis épris de la justice sociale, donc j'ai dit un certain nombre de choses dans mes chansons. Après, ma Kamboananyoso, il faut s'y cultiver, se préparer du jour au jour à dire un jour, il faut que j'apporte du moins vision na Kumbela Bamasolo, Nangaï, le moment venu, il faut l'apporter parce qu'il faut peut-être venir na modèle Moussusu pour réellement apporter des solutions solides et viables na société na Bissou. Les Alagas interdits pour Namoutouté, donc même Yosa libre de pouvoir faire, donc il n'y a pas de problème. Lexus légal, Kanda, n'a pas prestation dans autant aux Alicola, podium, politique congolaise, et aussi Pélissa, où tu es dans les Nipo, dans aux OIM, on dit aux Anakanda, dirigeant. C'est-à-dire que au moins il faut n'habiter sur les lots comme on a congé sur ces pollutions macasse n'habiter dans la tête sur les gestion bah il y a bas ordures n'habiter sur les n'habiter sur mambebele et là on a yebi gara et là on a yebi nambo qu'on a bu sur le comment intéressant il faut qu'il y ait une page dans la Facebook pour moi dans ma pensée dans la mingi et là on a yebi que comment intéressant sozo les cas entre sayo sozo les cas na sayo ou sozo les cas na pongabi na assuré ça bien vous tous en pour vendre pour vous allez aux alos environs autour misé la nécropole que aux alana na sayo na ngonga o na zoloba na na pongabi
n'a su comprendre. C'est-à-dire que il fait l'air est beaucoup plus frais dans la nécropole que place Batouba vivant Baza, c'est-à-dire na Sayo, na Pongabi. Mais on est rare. Par exemple, Moi, on a présentation à livre et à Félix Oisé, quoi. Les petits bonbons de la sagesse. On doit qu'il y ait invitation. On a ici là qui ont des gens. Donc, avant, artiste et musicien, à la livre, à comme livre, à la parmi les écrivains. J'étais très choqué et ému. J'ai vraiment aimé l'initiative parce que, quelque part, ça change l'image des artistes et musiciens. Oyo. Tu es les bandes à de l'Arabie. Et quoi, était bon, voilà. Tout en raté. On est là pour des polémiques stériles. On n'a pas été bien éduqués. Tout le monde a mûr sa bienté. Et puis voilà, et la musique est la délinquance, etc. Aujourd'hui, Félix Oisé quoi, a prouvé aux yeux de tout le monde qu'un artiste musicien a réalisé la topo. Donc, il a réalisé le banquier, le Basnel, le Régis Dizo, le Jekamine, etc. Et il a fait preuve de l'intelligence et de la sagesse. Bien sûr que. Dans la culture, il y a beaucoup de choses qui sont engagées. Mais moi, je demanderai à la population entière de soutenir cette œuvre. Parce que. Et ça, la manante, quoi. Et ça, la manante, il faut vraiment qu'on encourage, qu'on consomme les produits, non seulement acheter. Les gens qui ont été en la vie. Alors, vraiment, la musique, la musique, c'est un débat. Peut-être que nous avons été en train de se faire, mais nous avons été en train. La carte à livre, c'est une première et vraiment la zone est singomine, surtout que nous avons eu la face B et mon nous vivant, et si nous avons célébré qui est. Alors, ce qui est pour mon honneur, on aurait pu nous la réalisation, je crois que c'est un sentiment de fierté. Mais immature, il est tellement mature que Maram Sunamon a surpassé en haut, je me pose la question comment il arrive. Donc, et plus que tout ça, il faut. La tête qui a été l'intelligence, la sagesse et. Osana est l'eau. Donc, la maturité était. Et Osana est l'eau, mais on y a bien fait le Et on a tout ça, Osana est l'eau. Mais on a fait le conseil. Au moins, il choisir quoi, le président de la Bissot. Azaki n'a pas eu le wana, à ça, il y a un peu de livre. Parce que Yazan a eu le wana, à ça, il y a un peu. À ça, il y a un peu. Il y a un hôtel là, il y a un hôtel là, il y a un Caribe. Même le président est là. Pour écrire mon chanson. Bonjour. Il est surtout animateur, on a invité logo vraiment papa la bima sali livre à haut et comme si ils sont les petits moments de la sagesse. Il y a mon amour et puis vous qui a mon ami. Bon, puis c'est peut-être bien ma solo toi bananda quoi. Donc c'est bananda que tu es baki, tu es comme maman tu es baki et ça fait 10 mois pour ici là donc ni on soit là donc pas au courant. Mais c'est un plaisir pour nous. Comment le patron ça bananda on a idée. Si il est comme concrétisé quoi, le vernissage en haut est comme réel. Est-ce que vous parlez de peut-être sous un bandit aussi là? Une musique pour la bine aussi là, au moment où on a commencé à vous parlez de quitter. Parce qu'on a ça, j'ai écrivain. Avant on a donc ah non un parolier c'est quelqu'un qui écrit. Après ça papa oui m'a pensé moi. Donc nous sommes il écrivait puis il en a commencé toute sa vie. Et donc on voit ça et ça talent mon cousin a quitté là il y a ma bine mission pour faire découvrir il va tout. Mais les restes artistes et musiciens. Moi, dans les années, il y a un talent qui est caché en moi. Il faut que je me mette à l'écrivain. Il y a un papa qui est là, il y a un graffiti, il y a un monde qui est là. Il y a un musicien, il y a un musicien, il y a un droit, il y a un monde. Donc, il y a un monde qui est là, musique. Mais il y a un monde qui est là, il y a un monde qui est là. Au moins, il y a un monde qui est là, il y a un monde qui est là, mais eux, ils ne sont pas générés. Donc, la musique est là. Donc, moi, il y a une facette de Moussoussou. Mais il est toujours mis ici en poste de la boîte, ma belle Zoya, quoi, livre, c'est Bimi, là, c'est bon, plaisir à ma casse. Le président Langaï a confirmé que Aza intellectuel est le preuve, il y a mon année. Parce que tout le monde a des blagues et tout. Preuve, il y a les petits moments de la sagesse au Somba pour découvrir ma ramène à Katuana. Et là, maintenant, on continue à taper à Boamabe, et puis, Adwabi n'a pas CP là, quoi, album Nambino. Oui, merci beaucoup, Chris, pour ça. Merci beaucoup, j'espère que vous êtes nombreux en train de me suivre. Mais que c'est pas les civils, nous sommes en comment. Bah, image, je vois vraiment pour Moni, Tandine, Sakibino, artiste et musicien, Félix Oisé, quoi, à
comme peut écrivain à ce qu'on appelle livre et ben ça qui est bisogno sur les banques qui est belé merci et ben ça qui est belé ben nous baye ben ni ouya koloba est-ce que livre en vraiment est intéressé tout le monde acheter là l'intérieur même mon image rien à dire mon artiste musicien mon artiste comédien et puis là qui pèse sur la question au artiste va poser qui non commettre mon qui vraiment question hérité watanabe ba lobi ba misé ba zo baté mino ba to bula ka ba zo ba non ba bi ba to ba tangi ba ba to ba réfléchir ça ka merci beaucoup à vous tous qui étiez branchés quand il est arrivé nous restez toujours branchés avec la vôtre Flor Makinsi rien à dire ba bi bulo kaka na na sala ram sala na sala wana ka pona bi nous merci beaucoup je tiens à saluer mon boss Jimmy Achu qui passe à Zali depuis Paris en tout cas boss dans la bien qui bégé coaché et pourquoi pas aussi à tous mes fans hein. Je vous aime beaucoup je trouve moi à la prochaine au cours qu'on a toujours dans ma maboué et que ça moi va bien bye. Congo les panda, Congo les panda, Congo les panda, si tu es Congo, Jimmy a choqué, Azuli kanisi ya malamu pona ko se pelisa, banambuka Congo. Asalili bango, Congo li panda, peningali. Bona kuyeba historia Congo, landa Congo li.